Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai la lourde tâche de présenter la box mère du mois d'octobre, la box qui est pour l'instant le plus boudée, alors que franchement quand vous allez voir ce qu'il y a dedans, je pense que beaucoup d'entre vous vont regretter de ne pas avoir pris cette magnifique box mère parce que franchement rien que le premier que je vais vous présenter, moi perso j'en suis tombé amoureux il y a longtemps. La box mère, le matos, on va revenir rapidement sur le matériel. Donc ça se destine principalement à la pêche du bord ou la pêche en bateau. Au niveau du matériel, on va privilégier des cannes de type MH, donc ce qu'on appelle medium height, donc 10-30, 10-40, 10-50 grammes. Des cannes plutôt de grande taille, donc on va commencer à 2m10 jusqu'à 2m40, 2m50, ça dépend aussi des personnes. Moi perso, je préfère vraiment les grandes cannes, donc 2m30, 2m40. Ça va vous permettre de bazarder loin quand vous êtes du bord, de battre du terrain et surtout même d'être beaucoup plus à l'aise pour animer vos leurres. Au niveau de la tresse, ça va être un peu comme pour la medium. On va dire de 10 à 15 centièmes au niveau de la tresse, suivant les poissons que vous allez rechercher. Les bas de ligne en mer, il y a quand même moins de risques, surtout si vous pêchez le bar. Donc entre 25 et 35 centièmes, une moyenne de 30 centièmes sera vraiment très bien pour la pêche du bar. Le moulinet, 2500, 3000, à peu près comme pour la médium, ça ira très bien. On va passer sur le premier leurre. Donc je pense que vous le verrez au gros plan, un leurre de chez Duo. Donc déjà, je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Duo, je pense que tout le monde connaît la marque, distribuée par Ultimate Fishing, bien évidemment. Le Realis Pencil 110, un leurre de surface, je pêche depuis très longtemps avec ce leurre là, je l'adore. C'est vraiment un super leurre de surface en taille 11 cm qui va vraiment être très polyvalent. Donc bien évidemment vous allez pouvoir pêcher en mer, donc pêcher du bar principalement avec, mais vous allez aussi pouvoir pêcher en eau douce, faut pas l'oublier la box mer. C'est des leurres qui vont aussi être très prenants en eau douce. Donc à vous de faire le choix, mais moi je vous recommande peut-être de tester par exemple pour le mois prochain la box mer. Donc le Realis Pencil, leurre de surface au niveau de l'animation, pas compliqué au niveau des poissons, bar et en eau douce. Brochet, perche, cendre, j'allais dire cendre, bon, on sait jamais, mais cendre va quand même falloir s'accrocher pour faire un cendre avec. Mais voilà, sinon perche, brochet, black bass et en mer, le bar, bien évidemment. Donc vous lancez votre magnifique leurre, l'avantage c'est qu'il se lance très loin. Et l'animation, ce qu'on appelle le walking the dog, c'est très très simple. Ça va tout simplement mettre des petites tirées et en fait à chaque tirée, votre leurre va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ce qu'on appelle le promener le chien. Je sais pas trop pourquoi ils ont appelé ça comme ça, mais c'est vrai que bon, au pire on promène notre chien sur le lac. Donc là vous voyez, voilà, mon leurre s'anime tout gentiment, il fait des jolies droites gauche. L'avantage c'est qu'il fait du bruit aussi, il va faire un clic 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 à chaque fois qu'il va aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc là l'animation de base, vraiment voilà, vous faites ça sans vous arrêter. Donc on va dire du linéaire pour le walking the dog. Et ensuite l'autre animation, toujours pareil, je vous recommande vraiment de faire une pause quand votre leurre touche l'eau. Voilà, votre leurre touche l'eau, vous attendez 5-10 secondes sans le faire bouger. Et ensuite vous commencez votre anime, donc le walking the dog. Et très important, faites des pauses, vraiment ça on vous le recommandera jamais assez. Pensez à faire des pauses, 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, soyez imaginatif des fois, tentez des choses et ensuite vous reprenez votre animation et ça va souvent être au redémarrage de l'animation des fois que vous avez des poissons qui vont attaquer parce qu'en fait le poisson va être en dessous, il va observer, vous allez redémarrer, il va péter un plomb, il va venir dedans, il va taper. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est un leurre qui est super prenant, franchement moi j'adore ce leurre là, qui nage vraiment bien, vous allez voir, il n'est pas très compliqué à animer, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire l'animation de Walking the Dog. On va directement passer au deuxième leurre de la box mère. On passe tout de suite sur le second leurre, donc le second leurre qui a un nom moi, qui perso m'a bien fait rire, c'est le Houdini Chat de chez Yume. Houdini, je pense que tout le monde connaît, le célèbre magicien, donc je pense que ce leurre est peut-être magique, on va essayer de le découvrir. Donc le Houdini Chat, c'est un mix entre un finesse et un chad. La particularité, je pense que vous verrez sur les gros plans, en fait, c'est que la queue peut se découper pour justement amener une autre animation, un autre type de nage à ce leurre-là. Donc je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle le Houdini, je pense que c'est de là que vient l'idée. Donc au niveau de l'animation, ça va plus s'animer comme un finesse. Petite précision, je pense que vous l'avez remarqué, dessus on a mis les TP qui ont été fournis directement dans la box mère, donc des TP de chez VMC qui s'appellent les Darting Head en 10 grammes. Donc je pense que vous le voyez, ça fait un ensemble qui va super bien. Donc au niveau de l'animation, ça va pas être trop compliqué. Donc on va lancer notre leurre. Au niveau des poissons, bien évidemment le bar, la vieille, tous les poissons que vous pourrez trouver en mer qui se prennent avec du leurre soupe et en eau douce, le sang, le brochet, la perche, le black bass, vous pourrez aussi tout prendre avec. Clairement là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc l'animation, pendant que je me suis accroché, parce que là malheureusement il y a beaucoup d'herbe dans ce lac-là. Donc l'animation ça va être simple, vous allez poser votre leurre sur le fond, très important, et ensuite vous allez mettre des tirées. Une petite tirée, deux petites tirées, relaisser son leurre se poser sur le fond. Ensuite vous allez mettre une plus grande tirée, relaisser votre leurre se poser sur le fond, ce qu'on va plus appeler une animation en dents de scie. Clairement, c'est à peu près comme ça que s'appelle l'animation. Après, vous pouvez faire des variantes. Je vous encourage toujours à faire vraiment des variantes. Donc voilà, hop, 2-3 petites tirées, 2-3 petites tirées, 2-3 petites tirées, 2-3 petites tirées. Vous faites une pause, vous laissez poser sur le fond. Donc voilà, une animation qui est vraiment pas compliquée. Bon, là, forcément, j'ai ramené de l'algue. Le lac est pas vraiment adapté à pêcher justement avec ce type de tête plombée là. Et voilà, une animation pas compliquée du tout. On va passer directement sur le troisième leurre de la box mère. On passe directement au troisième et dernier leurre de la box mère. Toujours monté avec la Darting Head de chez VMC, je pense que vous le voyez.
Ça fait un ensemble qui va super bien, tout simplement. L'hameçon ressort bien au bon endroit. Donc là-dessus, on est bien. Donc là, c'est le Lake Fork Live Magic Shad en 11 cm. J'ai galéré à le dire. En même temps, c'est un petit peu long comme nom. Donc je pense que vous allez voir, en fait, c'est un swimbait, mais en souple. Donc je pense que tout le monde connaît les swimbait en leur dur. Là, c'est exactement le même principe, en souple. Donc je pense que vous voyez, en fait, il y a des espèces d'articulations au niveau du leurre qui vont en fait lui permettre de nager. Qui vont lui permettre en fait d'avoir une nage très réaliste. Je pense que c'est justement le gros point fort des swimbaits, c'est d'avoir des nages très réalistes qui vont plus imiter justement la nage d'un vrai poisson. Au niveau de l'animation, c'est vraiment pas compliqué avec ce type de leurre là. Ce que je vous recommande vraiment de faire, c'est tout simplement du linéaire. Donc vous lancez, vous ramenez. Et là, le leurre va tout simplement nager tout seul, va faire comme ça, il va onduler tout simplement. Et c'est, je pense, l'animation la plus prenante. Comme d'habitude avec le linéaire, n'hésitez pas à faire des pauses. Essayez toujours en fait de faire du linéaire avec des pauses, avec des petites tirées. Enfin voilà, essayez toujours un petit peu de varier votre animation linéaire. Ça pourra toujours apporter un poisson ou deux, ne pas faire juste du linéaire. Je rigole vraiment parce que là, je pense que vous allez voir. J'ai une magnifique chevelure sur mon leurre. Je pense que ça peut faire un nouveau type de leurre. Donc je vous remonte très rapidement, mais vraiment très simple. Vous lancez votre leurre. D'ailleurs, il se lance bien loin avec ce TP-là. Vous faites du linéaire, une petite pause. Vous reprenez un linéaire un petit peu plus rapide, 2-3 petites tirées par exemple, histoire de faire remonter, de faire redescendre le leurre. Mais voilà, le linéaire, c'est vraiment la base avec ce type de leurre-là, ça nage super bien, je pense que vous le verrez. Là-dessus, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit sur cette box mère. J'espère vraiment que c'est une box qui va marcher un petit peu plus dans le futur, parce que pour l'instant, elle est quand même pas mal boudée. Mais je pense qu'on arrive à vous le démontrer, c'est une box qui va vous permettre justement de pêcher sur les deux milieux, la mer, l'eau douce. Donc pour ceux qui sont en côte, qui pêchent en mer et qui pêchent aussi en eau douce, je pense que ça peut vraiment être un bon compromis de prendre cette box mer. Là, il y avait vraiment des produits super intéressants ce mois-ci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire vos améliorations, même si vous avez des avis négatifs, on est toujours là aussi pour prendre les avis négatifs. Le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très prochainement, sûrement avec Amine, pour vous faire d'autres vidéos. Ciao tout le monde.